Donc je ne vous présente pas cela tout le temps. I have to love you so much before I can share this with you. Il faut que je vous aime fortement avant de partager cela avec vous. It's because I love you so much. Parce que je vous aime. I consider you as my church. Je vous considère comme mon église. That's why I want to share it with you. C'est pourquoi je veux partager cela avec vous. I don't always share this. Je ne partage pas cela tout le temps. But because of my passion for you. Mais à cause de l'amour que j'ai pour vous, I want to share it. Je vais partager cela avec vous. The principle number 5. Le principe numéro 5. Is the secret. C'est le secret. Of the richest man. De l'homme riche. That never be. The secret, le secret of the richest man, de l'homme riche, that never lived, qui vit pour toujours. Le secret, right? The secret, le secret of the richest man, de l'homme riche, that never lived on the planet Earth, qui vit pour toujours sur la planète Terre. Secret, le secret. If you understand, I want to say it slowly. Je vais aller doucement. If you want 69 days, comprenez cela, it will change your life. Ça va changer votre vie. Financial. Sur le plan financier. Talking about money. Je parle d'argent. How many of you don't like money? You don't like money. Parmi vous, qui c'est qui n'aime pas l'argent? You don't like money. Vous n'aimez pas l'argent? I want to see somebody that doesn't like money. Celui qui n'aime pas l'argent lève la main. How many of you like money? Combien de vous aimez l'argent? Only three people. I want to talk to those three people. Four, five. How many of you like money? Combien de vous like or not like? Thank you, Bishop. I want to share with you. Your hand is very up. Some of you, if I say, how many of you like money? Combien de vous aimez l'argent? How is that money? A qui fait pas que l'argent? Answer all things. Réponds à tout. Money. Argent. And before I go on to this, avant de continuer, I'm not going to be long. I want to share this. I'm not preaching and teaching, just sharing you information. Et je voulais que tu partages cela ce matin. And I want you to relax and I want you to write it down some of the things I'm going to say. Et donc, soyez relax et surtout prenez note par rapport à ce que je vais dire. Something about money. Je vous dis que Dieu dit que je suis l'argent. Dans un premier temps, money is not paper. L'argent, ce n'est pas le papier. Money is not silver. The coin is not. L'argent, ce n'est même pas le métal. That is not money. Ce n'est pas ça l'argent. That is not money. Pas ça l'argent. That is not money. Ce n'est pas l'argent. You know, I have over the last years of my life. Donc vous voyez, ces dernières années. Have you ever given somebody that is mad money? Avez-vous donné l'argent à quelqu'un qui est fou? Have you ever seen a madman steal money? Avec les deux derniers fou méchés d'argent. No matter how a person is bad, quel que soit l'état mental, once you give the person money, comme toi derrière cette personne, il smile. La personne sourit. Come on. No matter how the person is mad, quel que soit l'état mental, he may not be wearing clothes. La personne peut ne pas porter d'habit. He's walking naked. La personne marche nue. Once you give that mad person money, you will never see it. Vous n'avez jamais vu ça. No matter how bad a person is, quelle que soit la folie, la personne ne va dire la personne ne va jamais péché. Jamais. Because there's something that you don't understand about money. Parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend quand il y a l'argent. No matter how strong. You can see husband and wife fighting. Tu peux voir un homme en face. This one will say, "If you will kill me, I will kill you today." But you will never see them, you know, cheer money. Mais tu vas jamais les voir déchirer l'argent. No matter how they fight, if the money comes down, mais pour ça, il faut faire le parallèle. Mais si un homme prend, today, they will protect the money. Ils vont protéger l'argent. No matter how somebody is angry, quel que soit la colère, he does not cheer money. Ça ne déchire pas l'argent. If he gets angry too much, you put the money inside the bag and say, come, and here, come, and here. Why? Pourquoi? Because money, parce que l'argent, is not paper. Ce n'est pas le papier.
Stop it. C'est pas les papiers. Money. L'argent. It's the peace of your life. C'est la paix de ta vie. Money. L'argent. It's the peace. C'est la paix of your life, de ta vie. Let me explain that shortly before moving. Laissez-moi expliquer cela avant de continuer. When you go to work, quand vous allez au travail, the company, l'entreprise, or the government, ou le gouvernement, says you come by 8 o'clock. Vous dites de venir à 8 h, and you close by 5 o'clock. Et vous arrêtez à 17 h. Every day, chaque jour, Monday to Friday, à la fin du mois, we will give you 50,000 sefa. On vous donne par exemple 50 000. When they give you that money, quand on vous donne cet argent, they are giving you for the time that you spend your life in that place. On vous donne cet argent par rapport au temps que vous avez passé. Paying you for what you have done. On vous paye pour ce que vous avez fait. They are paying you for the time. On vous paye par rapport à votre temps. Because your life, parce que votre vie est consistent of times, hours and seconds and minutes. Votre vie est composée de heures, secondes et minutes. So when you go there, quand vous y allez, the government says, when you come to this place, on venait à ce point, and you expend so many hours of your life, et que vous y passez plus in this place, dans ce lieu, we will give you, on vous donnera, so amount of money, voici, d'accord, that is equivalent, qui est to the time of your life, qui équivaut à la vie que vous spend in this place, que vous passez dans cet endroit. Do you understand me? Vous comprenez? That is why, c'est la raison pour laquelle, if you go late, si vous allez en retard, to work, au travail, they get angry, ils se fâchent, because it's not what you do there, parce que ce n'est pas ce que tu fais là-bas. Mais c'est le temps de ta vie que tu y passes. So when you take money, quand vous prenez l'argent, it is not paper, ce n'est pas le papier, it is a piece of your life, c'est la paix. You have to spend your life, vous devez passer hours and seconds of your life, des heures, des secondes, to be able to get money, pour avoir de l'argent. Whether you are selling water on the street, si c'est de l'eau vendue, you have to spend hours of your life, passer des heures, to sell that bottle of water, to be able to get money, pour avoir de l'argent. Anything you do, vous devez faire, to get money, pour avoir de l'argent, you spend the time of your life, vous passez le temps de votre vie. So money, l'argent, is not a piece of paper, ce n'est pas le papier. Money, l'argent, I want to help you tonight. Je veux vous aider. Money, l'argent, is a piece of your life, c'est la paix. That's why when you misuse it, vous ne pouvez pas utiliser la valeur. You're not misusing money. Vous n'utilisez pas la valeur que vous utilisez. You're not misusing your life. C'est pas ton vie que vous utilisez mal. The peace is the peace of the. What is it? There's a peace. Peace is a part of your life. Si vous travaillez pour quelqu'un, si vous travaillez pour quelqu'un, you will have to spend the time of your life. Vous devez cette partie de votre vie, vous devez dépenser votre temps. Did you understand? Vous comprenez cela? That's why money. Pourquoi l'argent? It's not paper. Ce n'est pas le papier. That's why when you give to the bad man, pourquoi quand vous donnez cela? It's not paper. Alors vous y avez votre argent. Peace of your life. Il faut trouver une portion de ta vie. That's why you can't change. Pourquoi il ne peut pas déchirer cela? Puis-je continuer? Because today, parce qu'aujourd'hui, today, aujourd'hui, your life, votre vie, must change. Hallelujah! I said today your financial life must change. Je dis que votre vie va changer. In the name of Jesus, aujourd'hui, I want to show you the secret. Je vous montrer le secret of the richest man. De l'homme riche. Now the Bible says. Et la Bible dit. Everybody concludes. Everybody concludes
Que peut-il un peu conclure? That Solomon, le Lord, was the richest man. C'est un homme riche. That ever lived. Qui a l'homme le plus. Over the years, Bishop. Pendant des années, on dit, I taught. J'ai enseigné. That Solomon, que Salomon, was rich. Était riche. Because of wisdom. À cause de la sagesse qu'il avait. That's what we always think. C'est ce que les esprits dit. We always think that, you know, Solomon asked for wisdom. Donc, parce que Salomon a donné la sagesse. That's why, you know, we become rich. Après, il est riche. No. Non. That's not what the Bible says. C'est pas cette question. Salomon may have asked for wisdom. A prié de manière à sagesse. But it was not wisdom. Mais il n'était pas la plus sombre rich. Mais ce n'est pas la sagesse. There are a lot of wise people. Il y a beaucoup de ça. There are a lot of educated people. Il y a beaucoup d'hommes qui sont éduqués. But they are not the best. Ils ne sont pas riches. I want to show you. Je vais vous montrer le secret. Le secret. Maintenant, est-ce que je peux continuer? Make your exercise. Je vais vous exercer. Solomon's source of riches. La source de la richesse de Salomon. Did not come because of his wisdom. Ne sont pas venus à cause de sa sagesse. Solomon's source of riches. La source de la richesse de Salomon. Came because of the source of his wisdom. Donc venu à cause de la source de sa sagesse. Je répète. Solomon's riches. La richesse de Salomon. Did not come because of his wisdom. Ne sont pas venus à cause de sa sagesse. His riches, sa richesse, came as a result of the source of his wisdom. Est venu à cause de la source de sa sagesse. How did Solomon get to wisdom? Comment est-ce que Salomon a accès à la sagesse? How did Solomon access wisdom? Comment Salomon a-t-il accès à la sagesse? It was not the wisdom of Solomon. Ce n'est pas sa sagesse. That made him rich. La rendu riche. It was the source of his wisdom. C'est la source de sa sagesse qui l'a rendu riche. C'est la source de sa sagesse. It was not his wisdom. Ce n'était pas sa sagesse. And so if you want to be rich, vous voulez être riche. And you know, the Bible says, la Bible dit, I love that scripture. J'aime ce passage. Is there anybody? Y a-t-il quelqu'un? That lack wisdom. Qui veut être la sagesse? Let him pray to God. Let him pray to God. Qui s'adresse à Dieu. He is freely. Qui donne gratuitement. He does not withhold. Sans reproche. I saw that scripture. J'ai vu ce passage. Chaque jour, I was praying. Je me suis posé. God give me wisdom. Pas un mot à la give me wisdom. Je gagne pas la sagesse. I will say. La Bible dit, if I ask for wisdom, et si la sagesse, you will give me. Tu vas me donner. You will not withhold it. Tu vas pas me donner. You will freely give me. Tu vas donner de la sagesse. I want wisdom. Je veux la sagesse. I want to be rich. Je veux être riche. Like Solomon. Comme Salomon. I want wisdom. Je veux la sagesse. I want the Holy Spirit. Et un jour, l'Esprit de me dit, he said it was not wisdom. Il dit, c'était pas la sagesse. That makes Solomon rich. Ça fait Salomon riche. It was the source of his wisdom. C'est la source de sa sagesse. Listen to me carefully. Écoutez bien. What was the source of his wisdom? Quelle était la sagesse de Salomon? La source de la sagesse de Salomon. Second Chronicles, open with me. Don't worry, ils ouvrent la Bible pour dire, quick. Rapidement. Jesus, I feel the anointing. Yeah, oh, sure. Hallelujah. Hallelujah. Somebody is about to go to the next level financially. Est sur le point d'aller à une autre dimension. Somebody is about to go to the next level. Je dis quelqu'un est sur le point d'aller à une autre dimension. Somebody is about to go to the next level. Quelqu'un est sur le point. Quelqu'un est sur le point. If you receive the baptism of the Holy Spirit, la parole de Dieu,
et que tu parles en langue. That tells me, ça veut dire, that the Bible is true, que la Bible est vraie. And you know what I mean? The Bible says, la Bible dit, it's true, que la Bible est vraie. Chabez. Alléluia. À la bouche. How many of you, combien parlez-vous, have your life changed, or vous l'avez changé? Since you give your life to Christ, you give your life to Christ. Your hands to me. Hallelujah. Since you give your life to Christ, you give your life to Christ. Some things that you used to do, you don't struggle. I used to drink. Je buvais. But when I gave my life to Christ, et je me dis encore, let me just bring me on the face. Non, la fois, that was the end. Et je l'ai dit, I never stopped. J'ai dit, j'ai jamais arrêté. The Bible says, j'ai jamais changé. As many, as we seek Him, quand je l'ai reçu, He gives them power. Il m'a donné le pouvoir. To become, de devenir des sons. J'ai le pouvoir. When I gave my life to Christ, a supernatural power. Was strengthened in his kingdom.
notre oreille. And the Lord is God. 2 Chronicles chapter 1. Deutéronome 1, chapitre 21. Was from him. Les droits de son Dieu. And magnified him exceedingly. Et les bras. Then. Alors. Solomon speak unto all Israel. Salomon a dit à Israël. To the captains of the thousands. Aux chefs des milliers. And of the hundreds. Et des centaines. And to the churches. Aux juges. And to every governor. Aux princes. In all Israel. De tout le pays. The chief of the father. Et le chef de leur famille. So. Et Salomon. Solomon. Salomon. In all the congregation. Et toute l'assemblée. Somebody said Solomon. Salomon. Somebody said Solomon. Salomon. And all the congregation. Toute l'assemblée. Solomon. Salomon. And all the church. A géré toute l'église. Not one person. Pas une personne. From the church. De l'église. All the church. Toute l'église. What's this? Et suivez-les. And Solomon and all the congregation with him. Salomon et toute la congrégation. They went to the high place. Ils sont allés dans le haut lieu. That was at Gibeon. À Kedar-Gabaon. For there. Là. Was the tabernacle of the congregation. Se trouvait la tente d'assignation. Of God. De Dieu. Which Moses. Que Moïse. The servant of the Lord. Le serviteur de l'Éternel. Had made in the wilderness. Le fait dans le désert. But the act of the Lord. Et ce fut là. Had made it. Sur l'autel de la terre qui était dans ton assignation, to the place which David had prepared for him, que David a préparé, for he pitched a tent in Jerusalem. Qui est à Jérusalem. Watch this, follow me carefully. Tu veux bien. Moreover, the present altar that Bezaliel, the son of Uri, the son of Hur, had made, he put before the tabernacle of the Lord, and Solomon and the congregation saw to it. Verset 5. Have you read? Yes. Okay. Watch this. And Solomon. Is that what? Let me stop here. You see? I don't want it to be seen. The Bible says, I didn't see. Solomon called all the people. Ah, he asked him. He said, let us go. Allons-y. To worship God. Adore Dieu. Hallelujah. Amen. Everybody, chacun, everybody, chaque personne, have the same opportunity. I have the opportunity. Solomon said, come. Solomon dit, venez. Let us go. Allons-y. And worship God. Adore le combat de Dieu. Just like you have been called. Comme maintenant vous êtes appelé. Just like I have told you. Comme maintenant vous avez dit. God said, Solomon. Dieu a dit à Solomon. In your midst. Au milieu de vous. In the person. Parmi vous. Of Bishop Cotty. Il a envoyé. Il venait. Venez m'adorer Dieu. Am I right? C'est vrai. Is that what he said? Est-ce ce qu'il a dit? That's what he's doing. C'est ce qu'il fait. He's asking you to come. Il vous demande de venir. Come from wherever you are. Venez de là où tu es. Doesn't matter your condition. Ne besoin de condition. Doesn't matter your color. Ne besoin de couleur. Doesn't matter your language. Ne besoin de langage. Doesn't matter whether you're tall. Ne besoin de taille. Whether you're short. Ne besoin de petit. Whether you're big. C'est ce que Salomon a fait. C'est ce que l'homme de fait. Watch this. Suivez-le. So the Bible says. La Bible dit. Salomon. And all. Okay, let me change it. Bishop Cotty. And all the members. Et tous les membres. Of New Wine Church. The New Wine Church. They came. C'est venu. This Friday. Ce vendredi. To worship God. Pour adorer Dieu. To celebrate. To celebrate. Easter. To celebrate Easter. So Bishop Cotty. Bishop Cotty. And all his congregation. Toute sa congrégation. Sont venus. Today. Aujourd'hui. To worship God. Adore Dieu. Am I right? Bravo. Is it true? Bravo. If you come to worship God. Amen. If you come to worship God. Shout the Lord. Amen. 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 Watch this. Suivez. So the Bible says. Dit. Solomon, in verse 6, went up to the brazen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and offered 1,000 burnt offering upon it. Verse 6. Et je fus là sur le haut de l'air qui était
l'Éternel dévoilera toute assignation que son nom offrit à l'Éternel, mille holocaustes. Everybody came. Tout le monde est venu. To worship God. Adorer Dieu. Everybody. Tout le monde. Had the opportunity. A eu l'opportunité. To worship God. Adorer Dieu. Everybody. Tout le monde. Was invited. A été invité. But the Bible says. La Bible déclare. When it was done. Que. For Solomon. Solomon est venu. Worship God. Et qu'il est venu adorer Dieu. He brought. Il a apporté. 1,000. 1,000. Cows. Holocaust. Amen. Do you know what I mean by a cow? Comprenez ce que j'ai dit par taureau. How many of you ever seen a cow before? Alors vous avez déjà vu les taureaux, les vaches. If you see a cow, just lift up your hand. Si vous avez vu les mains. Thank you. God bless you. Merci. Dieu bénisse. You see a cow. Vous avez vu les taureaux. It was not one cow. C'était pas un taureau. Let me tell you something. Pourquoi vous dites quelque chose? What the Bible says. Que la Bible dit. Is a bunch of. C'est burnt offering. Une offrande. Now a burnt offering. Une offrande. Is that offering? C'est l'offrande. Offrande. When you put on fire. Une offrande de feu. Light the fire. Quand vous mettez ça dans le feu. The fire will burn everything down. Et que le feu brûle tout. That is a burnt offering. Nobody takes anything. C'est ça le repos. On n'a rien. Put the offering on the altar. Quand vous mettez le feu sur le fire. Vous mettez le feu. It will burn to ashes. Pendant ce jour-là, ils ont brûlé des mille holocaustes. Les mille. Ils ont brûlé jusqu'à ce qu'il y ait la somme. Cette nuit, la Bible déclare que Dieu s'est levé de lui. Lisez. Vous allez comprendre. Dieu est descendu. God said, I have never seen anything. Yeah. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. This one, celui-là. I'm not sending Michael. Je ne vais pas envoyer Michael. I'm not sending them. Je ne vais pas envoyer Gabriel. I want to go by myself. Moi-même, je vais descendre. I don't say. La Bible déclare. That night. Vous êtes venu. God. Dieu. Jehovah. Jehovah. Came down. Est descendu. He has never seen. Il n'a jamais vu. Anybody. Quelqu'un. Offer that kind of sacrifice. Offrir tel sacrifice. That night. Cette nuit. That night. Cette nuit. God said no. Dieu dit à lui. I want to go by myself. Je ne veux pas. I want to see this person. Who is this person? C'est qui ça? That has offered 1,000 points. Il a offert des mille holocaustes. Mille holocaustes. Descendu. Il sort. Il a vu. Un jeune homme. Salomon. Il dit, c'est toi? Salomon dit, oui, mon père. Demande-moi ce que tu veux. The source. La source. Of the riches of Solomon. La richesse de Salomon. Was not the wisdom. N'était pas sa sagesse. It was a sacrifice. It is the power. C'était le pouvoir. Of sacrifice. Sacrifice. It is the power. C'était le pouvoir. Of sacrifice. Sacrifice. That's why when you read the Bible, quand vous lisez la Bible, Genesis, you will see sacrifice. If there is anything, if there is anything, il y a quelque chose de pouvoir. Il peut être péché de Dieu. Power, le pouvoir. Of sacrifice, when Solomon, c'est à dire quoi? Sacrifice 1,000, il peut mille. God said no, Dieu dit non. I need to talk to me. Je veux parler avec vous, I want to see. Je veux voir. Secret. The secret of the richest man. Yeah.
pas un sacrifice. Le sacrifice. Tonight, ce soir, when God, quand Dieu wanted to redeem man, il a sur le corps. Il appelle Abraham. Abraham, right. Abraham a menti. Moses, il a appelé Moïse. Moses became angry. Moïse était fâché. Il a appelé David. Yeah.